À l'Association française des Goujratis de La Réunion, toutes les places sont occupées. Deux fois par semaine, des adultes viennent ici apprendre le français. Ils étaient 70 ce mardi, presque autant aujourd'hui, à apprendre à lire, écrire et compter. La consigne nous dit de recopier une phrase de ton choix. La FGR aide les gens venus de la zone et de bien plus loin à s'intégrer par l'apprentissage de la langue. Elle est aidée de bénévoles qui travaillent avec pas moins de 11 nationalités. Les allophones, hein, véritablement sans aucune connaissance de la langue française. Donc là, on est véritablement sur l'enseignement du français langue étrangère. C'est ce qui se passe avec nos amis sri-lankais, mozambiquais, thaïs, vietnamiens. Pour eux, pour la plupart, sont des adultes. Donc ça va être un français très fonctionnel, très utile pour les aider à se repérer, à s'orienter, à se débrouiller dans les situations usuelles de la vie. Et depuis 3 ans, des jeunes de l'ESSEC, de l'École supérieure de commerce de Paris, choisissent de faire leur stage à chemin Laurie-les-Bas, encouragés par leur père. J'étais pas du tout au courant qu'il y avait un stage humanitaire avant le début de l'année. Et du coup, ça a été un peu savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire et qui j'ai envie d'aider. Et je trouve qu'on est bien tombé sur cette association, donc on est plutôt content. Ça fait 2 semaines que je suis en train d'aider un Sri Lankais qui s'appelle Karti. Et il est arrivé, il savait même pas lire une syllabe comme mot. Et aujourd'hui, il est en train de lire des phrases dans des livres et enfin, ça motive énormément. Finalement, on a eu un contact avec des personnes qu'on n'aurait jamais pu avoir si on était resté dans notre zone de confort. Et donc, je pense que c'était super intéressant de rencontrer ces gens-là et de leur apprendre des choses. Toutes les semaines, l'association voit de nouveaux arrivants débarquer. Il lui faut du monde pour sa mission d'alphabétisation. L'essentiel, c'est de pouvoir communiquer avec eux, leur apprendre le béaba, c'est-à-dire commencer par l'alphabet, se présenter quand on va au bureau de poste. Mais pour ça, il faut les rudiments, mais il faut que quelqu'un les leur donne. Comment voulez-vous qu'ils fassent? C'est compliqué. L'association a donc besoin de bénévoles. Elle en appelle aux bonnes volontés.